Bonjour à tous. Nous avons en entrevue la violoniste Angèle Dubois, qui a sorti tout récemment un album de musique de jeux vidéo. Madame Dubois, vous allez bien? Très bien, merci. Je vous remercie. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, une musicienne avec une formation classique, à explorer la musique de jeux vidéo? Ben d'abord parce que je me suis posé la question, enfin c'est pas la première fois que je me la pose, mais je me suis posé la question il y a un an et demi, en me disant bon, il y a une génération de jeunes là, qui connaissent pas Angèle Dubois et qui comment je pourrais aller les rejoindre, comment où est-ce qu'ils où qu'est-ce qu'ils écoutent dans le fond? Vous savez, comme musicienne, là, on doit toujours avoir un souci de son public, de savoir, écoutez, moi, faut que je pense que dans 10 ans, je veux encore avoir des jeunes dans ma salle. Et c'est normal, il y a le cycle de la vie qui vient, et puis il y a des générations. Alors, à partir de là, j'ai fait une première constatation. D'abord, qu'il ne s'est jamais écouté autant de musique qu'aujourd'hui, tout à fait positif. Mais quand on y pense, c'est vrai. Aujourd'hui, on a tout le monde toujours une oreille qui est quelque part branchée sur une musique. Et puis deuxièmement, ben c'est ça. J'ai en fouillant comme ça, je me suis dit, ah, il y a quand même l'univers des jeux vidéo. Je connais naturellement les jeux vidéo. Je connais l'existence de plusieurs jeux. Je peux pas dire que je suis une joueuse, un gamer là, mais je me suis quand même donné de temps en temps. Et puis je me suis dit, est-ce qu'il y aurait matière musicale? Est-ce que je pourrais trouver là, de la musique assez forte pour venir vraiment m'interpeller puis me donner le goût de revisiter ce monde puis d'aller vraiment explorer au niveau musical? Ben la réponse elle est devenue évidente pour moi et très rapidement. Oui, c'est l'univers du jeu vidéo au niveau musical est un univers tout à fait créatif, un univers dynamique. Et puis j'y ai trouvé des œuvres extraordinaires, des compositeurs d'ailleurs, dont je ne me doutais même pas qu'il avait déjà écrit pour les jeux vidéo. Alors, des belles, belles découvertes. Je suis allée vraiment de découverte en découverte pour finalement me rendre compte que, mon Dieu, j'aurais dû peut-être jeter une oreille sur ce répertoire déjà il y a quelques années. Est-ce que ça a été un défi d'adapter les pièces de jeux vidéo avec un violon parce que c'est souvent des instruments synthétiques qui étaient utilisés, surtout dans le passé des années 90? Oui, tout à fait. C'est sûr que pour moi, ben une fois que je me suis rendu compte là que d'abord j'avais quelque chose à dire avec cette musique, parce que vous savez, hein, quand on peut pas mentir quand on est sur une scène. Et moi, si je veux exprimer des sentiments avec mon instrument, avec mon violon, en quelque part, il faut que ça vienne me chercher, il faut que j'ai quelque chose à dire. Alors, en partant du fait que oui, cette musique m'interpellait et m'intéressait. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est un travail personnel, mais je l'ai vraiment fait moi-même, c'est-à-dire que je suis allée explorer, je suis allée écouter des heures et des heures et des heures d'écoute de cette musique, de différents jeux, pour aller chercher, un, des musiques qui venaient vraiment, qui m'intéressaient, mais deuxièmement, des musiques aussi que je pourrais revisiter avec les sonorités qui me sont propres, soit de cordes, alors un violon. C'est sûr que souvent des épopées médiévales, une épopée médiévale ou quelque chose comme ça, bon, un violon peut-être pas, c'est peut-être pas la meilleure idée pour aller visiter musicalement. Mais justement, en faisant l'écoute moi-même, je suis allée vraiment chercher les thèmes, les moments, les extraits de ces jeux vidéo où là je me disais, ah oh, wow, ça écoute, un violon va venir te chercher la mélodie ou tiens ça va être amusant. On va pouvoir acheter de la harpe. Donc, vraiment, à l'écoute comme ça, pour moi, c'est tout de suite se dressait pour moi un portrait. Un portrait qui venait m'interpeller au niveau aussi des instruments puis des couleurs où je voulais amener cette musique-là. Alors, puis quand je dis amener cette musique-là, faut pas se méprendre. Par contre, je n'ai jamais voulu dénaturer la musique. Pour moi, ça a toujours été cette approche de revisite, si on veut. Je l'ai toujours voulu avec le respect de l'œuvre d'origine. Donc, pour moi, c'était d'y amener une autre écoute, une autre texture, d'autres sonorités, certes, mais en gardant l'essence même de la pièce d'origine. Moi, je suis un gamer fini, je suis un joueur fini, mais ouais, j'écoute également beaucoup de musique de jeux vidéo. Sur le disque, on retrouve Chrono Trigger de Yasunori Mitsuda. On retrouve Secret of Mana de Hiroki Kitugata, aussi la musique de Nobuo Uematsu, qui sont des légendes au niveau de la composition des jeux vidéo, mais aussi le Montréalais Normand Corbeil pour Heavy Ray. Mais je suis tombé sur une pièce qui est Angry Birds.
Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir Angry Birds parmi toute le choix de pièces qui sont disponibles dans la musique des jeux vidéo? Ben, c'est sûr que un Normand Corbeil, par exemple, ça, j'étais très contente de parler à Normand et puis de faire justement cet arrangement avec lui là de Heavy Rain et tous les autres compositeurs là, que vous avez nommés, que ce soit Kikuta Uematsu ou enfin Yamitsuda aussi dans les japonais là, mais Michael Nielsen aussi avec le Splinter Cell et tout, des grands compositeurs et tout. Mais j'ai voulu faire le clin d'œil. D'abord, mon chum, il joue à Angry Birds. J'entends cette mélodie souvent. Et là, je me suis dit, ben, je pense que d'abord, je voulais une espèce de dresser un portrait et tout, puis ben, ça doit être dans ma nature. J'aime ça aussi avoir, je sais pas, une petite pensée coquine, là. Alors, je me suis dit que Angry Birds, avec cette mélodie-là, on pourrait le revisiter, justement, avec des vrais instruments, avec, parce que, ben, pour toute personne qui joue à Angry Birds, à un moment donné, d'entendre la petite tounette, on se dit, ça serait le fun d'y rajouter un petit peu de viande après l'os, et puis d'y mettre un peu de texture et de... Alors, je me suis amusée à le faire. Puis, naturellement, ben, j'ai fait appel à Anthony Rozenkovic, qui a fait la revisite, là. Mais maintenant, le Angry Birds que vous entendez, et oui, ça commence tout en pizzicato avec le violon, puis après, on s'en vient avec le thème, et puis à un moment donné, il y a de la harpe, il y a du piano. Donc, c'est vraiment un Angry Bird tout à fait coloré qu'on retrouve ici. Et puis, ce qui est le fun, c'est que ben, un des éléments quand on a fait quand on a dressé justement ce projet de musique de jeux vidéo, faut pas oublier qu'il faut aller chercher des droits. Hein. Ouais. Pour jouer ces musiques-là, il faut avoir les droits. Pour les diffuser Et, aussi. pardon? Pour diffuser la musique aussi. Ben oui, tout à fait. Et non, mais là, c'est parce que c'est les jeux, c'est les producteurs de jeux et tout qui doivent donner leur accord. Alors, à partir de là, pour ce qui est d'Angry Birds, c'est une petite histoire, c'est que ben on n'avait pas de réponse. Alors, on s'est dit, ben coudonc, on va l'enregistrer quand même. On était rendu à la session d'enregistrement et tout était fixé depuis longtemps. Alors, on l'a enregistré, puis on s'est dit, on va l'envoyer à Harry Pulkkinen, qui est le compositeur d'origine de la pièce d'Angry Birds, la mélodie que vous entendez. Alors, on l'a envoyé en Finlande à Harri Pulkkinen, qui, mon Dieu, aujourd'hui, ça se fait rapidement. Genre, si c'est pas la journée même, c'est le lendemain, mais c'est parce qu'il y a un décalage monstre entre la Finlande et chez nous, qui a tout de suite répondu en disant, ah, je suis honoré, mais tellement heureux de voir que Madame Thibault, violoniste, tout ça, qui veut revisiter ma pièce, puis c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Et je m'empresse de l'envoyer à la direction de Rovio, qui est la compagnie de production, là, justement, du jeu Angry Birds. Alors, ben de cette façon-là, justement, par le biais de ce compositeur, Harry Pulkkinen, qui est le compositeur d'Angry Birds, ben en 2 jours, on a eu les droits. Et puis d'ailleurs, un beau cadeau aussi, parce que Rovio sont tombés tellement sous le charme de notre version symphonique, si je peux dire, là, d'Angry Birds, qu'ils l'ont posté sur Facebook. Et puis, ben, il y a beaucoup d'amis Angry Birds Facebook. Il y a ces 25 Ouais. millions. Alors, déjà la journée du lancement, avant que le disque soit lancé, à 8h30 le matin, j'avais déjà 15 000 messages qui m'attendaient avec des I like it, le petit pouce en l'air, qui arrivaient de partout, là, mon Dieu, d'Angleterre, justement de Finlande, des États-Unis, un peu partout dans le monde. Alors, Angry Bird a été aussi. Tout comme le geste qu'on doit faire avec les petits oiseaux, ils nous ont aidés à projeter, si on veut, la nouvelle qu'il y avait justement ce disque-là qui sortait sur la musique de jeux vidéo. Quel est le compositeur ou la musique de jeux vidéo qui vous a le plus impressionné, qui vous a le plus marqué lors de vos recherches? Ben, c'est sûr que, comme j'expliquais tantôt, là, il faut dire une chose, c'est que moi, j'écoutais en me disant que je devais revisiter avec mon instrument. Alors, dans les pièces, c'est toujours un peu difficile pour moi de dire, par exemple, quand je regarde là, le final de cet album, où on retrouve quand même neuf pièces là, de 9 jeux différents, ils sont tous là pour une raison, parce qu'ils ont tous quelque chose de différent à dire. Par exemple, quand on regarde le Normand Corbeil, Heavy Rain, c'est une mélodie qui est tellement, je dirais que c'est poignant, c'est quelque chose qui vient
très profondément chercher nos émotions. Tetris, ben pourquoi je l'ai choisi? C'est que d'abord, oui, ben c'est je voulais avoir un éventail de jeux des plus récents, mais de plus anciens aussi. Et Tetris, ben pour les gens qui le savent ou pour ceux qui ne le savent pas, un des thèmes principaux de Tetris provient de Jean-Sébastien Bach. Alors, ben naturellement, la musicienne classique a été interpellée. Secret of Mana, je trouvais que c'était une couleur complètement autre, justement où on a amené de la harpe et tout, des sonorités qui nous amènent dans une espèce de sonorité féerique là, et très japonais, dans le fond très très film d'animation japonais. Bon, Final Fantasy, pour moi, était un incontournable. Là, je suis en train de toutes les nommer. Hein. Ben, tu vois, c'est ça, c'est que chacun a sa raison d'être. Halo, pour moi, est peut-être le plus pop, si on peut dire, enfin l'extrait que j'ai choisi, mais en allant chercher justement l'arrangement de Mego, Claude Lemay, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Fait que chacun, Chrono, ben je pourrais pas passer par exemple à côté, là j'allais dire je vais arrêter de les nommer, mais il y en a un que je dois absolument nommer. J'oserais pas dire que c'est mon préféré, mais certainement un de ceux que j'ai trouvé le plus ben dans son arrangement et dans l'élaboration de la pièce, le Chrono Trigger, c'est une combinaison de Chrono Trigger puis Chrono Cross, là. Alors, dans un arrangement de Jay Ouellette, c'est vraiment extraordinaire. Là, il y a des percussions, il y a de la harpe, du piano. Alors, c'est un arrangement qui est très, très, si je peux dire, très dense et qui me donne beaucoup, beaucoup de plaisir, non seulement à écouter, mais aussi à jouer, certainement. Est-ce qu'on prévoit un concert à court terme, un concert, mettons, à la Place des Arts ou ailleurs au Québec? C'est sûr que là, pour l'instant, ce que je fais, c'est que dans moins de 3 semaines, à la fin novembre, c'est fixé, parce que moi, mes concerts sont fixés là, 1 an et demi, 2 ans à l'avance. Alors, on avait fixé, il y a déjà un bon petit bout de temps, ces concerts qui sont autour d'une thématique que j'ai déjà explorée qui s'appelle les violons d'enfer. Et à la demande du public, après 12 ans, on a décidé de refaire cette production-là. C'est seulement 3 soirs. C'est au Palais Montcalm, c'est le 28, le 29 à la Maison Symphonique à Montréal et puis le 30 à Laval. Puis dans cette thématique des violons d'enfer, j'ai décidé d'ajouter 3 extraits de l'album de jeux vidéo qui vont se retrouver donc dans cette thématique-là de concert. Pour ce qui est d'un concert proprement dit, seulement avec de la musique de jeux vidéo, c'est dans les plans. Je n'ai pas de date encore à vous donner, mais c'est vraiment dans les plans. Et à vrai dire, actuellement, je suis à penser à comment je vais l'apporter? Je veux y amener une facture complètement différente. Je veux amener, ben, c'est ça. Je veux une facture complètement différente de présentation sur scène pour un projet comme ça. Okay. Angèle Dubois, ce fut un plaisir. On vous Un remercie plaisir, c'est pour moi. de votre passage à Mugeek. Votre disque est disponible chez tout bon disquaire et en ligne. Donc, on vous souhaite bonne chance pour un second album, on l'espère. Merci beaucoup. Au Merci à revoir. vous.